Nous voici sur Dicey Dungeons, un jeu bien sympathique avec des. Ben, ce sont les dés, les héros de ce jeu. Jeu facile au départ. Vous avez droit à jouer avec le guerrier, le voleur, le robot, l'inventeur. Et quand vous arrivez pour débloquer la sorcière, vous commencez à avoir un petit peu plus mal. Beaucoup plus mal. Au début, vous pigez rien du tout, d'abord. Ok, on va se lancer une petite sorcière. Comme vous pouvez le voir, j'ai 8 victoires, 8 défaites. Mes défaites ont été faites, sont au départ beaucoup plus importantes que celles que j'ai eues jusque maintenant. Mais on va la faire. Il y a des défis, des épisodes, il y a des tas d'autres trucs pour améliorer le jeu par après. Mais je voudrais vous montrer où les gens ont le plus difficile. Généralement, c'est justement avec la sorcière. Bien, c'est assez simple pour réussir assez fréquemment par après. Le tout est de connaître ses adversaires. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a beaucoup qui connaissent déjà, bien entendu, mais c'est un petit peu le Slay the Spire, mais avec des dés. Bon, elle a donc notre sorcière a un grimoire qui est composé et dans lequel elle va pouvoir mettre des sorts. Les sorts, on va les récupérer en les achetant ou avec des coffres comme dans tout jeu normal. Il y a toujours des coffres et dans les coffres, il y a des sorts. Et ces sorts, il va falloir les apprendre. Pour l'instant, nous n'en apprenons qu'un seul à la base. J'ai le droit de mettre celui-ci, ou je pourrais en mettre un autre. Si je veux mettre, voilà, je peux mettre le chaudron, je peux aussi mettre infliction. Infliction, n'importe quel dé dans infliction va filer des points de dégâts à mon ennemi. 3 points. Que je fasse un 6, un as, n'importe quoi. Si je mets chaudron, je vais mettre un point de dégâts à l'ennemi, mais je vais revenir, je vais récupérer un nouveau dé, différent. Peut-être le même, peut-être un as, peut-être un 2, peut-être un 3, on n'en sait strictement rien. Et là, déjà, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire. Si je mets infliction, généralement, les gens qui vont être devant moi ont soit 9 points, soit 12, soit 14, etc. Donc tout ça change un petit peu. Et si j'ai par exemple aucun, mettons que je mette le 2 ici, ou que je ne mette rien, enfin soit ou que je mette le 1, n'importe. Une fois que je n'ai plus de sort affiché, parce qu'une fois que j'ai consommé le sort, que je l'ai utilisé, que j'ai mis un dé là-dedans, il va passer en transparence. Je ne pourrai plus l'utiliser, à moins de relancer un as. Et donc, si je fais 4 et 5, 1, 4, 5, et que je récupère un, je sais pas moi, un 4, un 5, un 3, un truc que je n'ai pas, eh bien, tout ce que je pourrais faire, c'est balancer un point de dégâts par dé. C'est tout. Ok. Bien, soit. On va laisser en chaudron et on va aller dire bonjour à la grenouille. Notre petite grenouille qui a combien? Qui a 9 points. À la limite, j'aurais mieux fait tout de suite d'y mettre l'infliction. Bon, pour vous expliquer, la sorcière, ce pour gagner avec la sorcière, en tout cas pour avoir une chance de gagner, vous devez d'abord connaître ce que va faire l'adversaire. Quels sont ses sorts? Parce qu'ils ont tous un petit carnet de sorts aussi. Donc, si ils ont 1, 2 ou 3, ils peuvent le mettre ici et ajouter un bouclier par point. Si elle met un 3, un des 3, donc elle a 2 dés, la grenouille. Admettons qu'elle a un 3 et un 6, par exemple. Elle peut mettre 3 points ici. Un max 3. Comme ça lui donne 3 boucliers. 3 boucliers qui vont pouvoir amortir 3 coups que je vais lui donner. Et elle peut mettre son 6 ici. Et si elle se met un 6, elle va faire 6 plus 2, elle va m'envoyer 8 points de dégâts. Donc, attention à elle. Il faut essayer de la buter le plus vite possible. D'accord? Dire, c'est logique de buter quelqu'un le plus vite possible. Mais enfin, après, suivant les sorts qu'on aura, vous verrez que là, il faudra réfléchir un petit peu plus loin. Malheureusement, on n'a que de la saloperie là-dedans. On va espérer avoir autre chose qu'un 6 et on n'a rien du tout d'autre. Et donc, je vais faire ça, ça et ça. Elle n'a plus que 5. Espérons qu'elle ne me fasse pas un 6, un 3. Elle m'a fait un 6, ce
qui me donne 8 points de dégâts. Comme vous voyez, limite break. Boule de cristal. Chaque fois que, par point que je reçois, ça fait monter la boule de cristal. Au début, vous démarrez à 8, ensuite c'est 9, puis 10. Chaque fois que vous montez de niveau, donc 8, puis 9, puis 10, etc., 10 points pour avoir ceci. Et la sorcière, quand elle a sa boule de cristal, elle peut lancer 3 dés supplémentaires. Donc si j'appuyais maintenant, j'aurais automatiquement 3 dés qui vont venir. Mais c'est du RNG, on ne sait pas. Des dés random, hein. Comme il nous reste que 5 points à lui donner, et que nous avons un 2, le 2 fait de l'infliction. Infliction donne 3 points de dégâts. Il me suffit de faire ça. Comme celui-ci fait un point de dégâts et qu'il me redonne le dé, boum, il me reste un point à lui faire. Je n'ai qu'à lancer le dé. Comme ça, je garde ma boule de cristal pour un suivant, pour quelqu'un d'autre. Alright? Bien, c'est pas difficile à comprendre, bien entendu. Nous sommes passés de 20 à 24, pardon. Nous avons toujours 3D. Un point, cette fois-ci, nous avons gagné un d'or. Donc, vous gagnez un d'or par niveau, par personnage. Mais surtout, on peut aller dans le coffre. On peut aller looter le coffre et on va se gagner un petit missile magique. Alors moi généralement je mets les paires où vous voyez qu'il me faut un 2, un 4 ou un 6 pour pouvoir lui envoyer des dégâts. Normalement je ne le garderai pas jusqu'au bout, mais j'aime bien lancer, mettre le sort à l'inverse de ce qu'il a besoin. Donc s'il a besoin d'un chiffre pair, je ne vais pas le mettre dans un chiffre pair pour l'appeler, sinon. Je ne pourrais pas l'utiliser, je vais devoir l'appeler et puis je serai coincé si je n'ai pas le bon dé. Donc je préfère le mettre sur un chiffre, puisque mon grimard, comme ça il me faudra un 5 pour appeler. Et si j'ai un 5 et un 4, ben je pourrais mettre mon 4 directement pour l'utiliser. Right. Bien. Voilà. Au début, on a des sorts un petit peu. Bon, ben, qui correspondent au nombre de points de vie de l'adversaire, bien entendu. Donc, vous voyez, j'ai toujours ma boule de cristal. Comment ce monsieur va-t-il travailler? Lui, il a 2 dés et il ne peut en utiliser qu'un seul. Hein? Cette carte-ci, elle va disparaître. Une fois qu'il y a un dé dedans, c'est fini. Tout ce qu'on va espérer, c'est qu'il ne fasse pas de 6. Vous avez vu également, sur un 6, il me casse un de mes équipements. En tout cas, il affaiblit un de mes équipements. Donc, s'il affaiblit, par exemple, s'il me fait affaiblir et je n'ai que ce chaudron-là sur mon terrain de jeu, parce que le sort qui va être affaibli, c'est au random de nouveau. Et donc, s'il m'affaiblit mon truc, ben, tout ce qu'il me donnera plus de dés gratuits. Il va se mettre pas terrible et puis il ne me servira plus à rien, quoi, finalement. Ça reviendrait exactement au même que si je lançais un dé. Bon, est-ce que j'ai besoin pour ce monsieur de me sauver? Pour le moment, j'ai 16 points. 6, 6 et 5. Je peux déjà lui mettre un missile magique dans le nez. D'accord? On va quand même d'abord essayer ça. Puisqu'on a bidule, on a un 4 qui ne me sert à rien. Il peut me mettre 6 points. Donc j'ai 2 coups pour le moment d'attente. Pour ne pas devoir utiliser ça, pour pouvoir le tuer ici. Je vais quand même déjà lui mettre quelques points dans le nez, là. Voilà. Boum. Il n'a plus que 5. Donc il me suffit, dans les 3 dés qui vont venir, d'avoir un pair, un chiffre pair, ou un 1, qui pourrait se transformer par après en pair, et il est mort. Donc on ne va pas l'utiliser de nouveau. Je ne crois pas que ça vaille la peine. Il ne peut pas me tuer. Il peut me, voilà, il me fait un 2. Il aurait fallu faire beaucoup plus avant pour y arriver. Et donc voilà mon 6. Et il est terminé. Le jardinier est mort. Voilà. Je monte de 4. Je suis passé au niveau 2. Alors ici, ceux qui veulent gagner avec la sorcière, oubliez le choc électrique. C'est très bien le choc. Vous choquez une carte, la carte va se retourner, si vous voulez. Elle va devenir noire. Et vous devrez. L'ennemi va devoir utiliser un dé pour pouvoir réutiliser cette carte. Mais s'il a 2 dés, il pourra.
dans tous les cas, l'utiliser. Et donc, c'est bien contre certains ennemis, contre d'autres, c'est moins bien. Je dirais que ceci, 80% des ennemis, la majorité des ennemis, vous pouvez les battre grâce à la stalactite. J'ai l'un dé, c'est le dé devient un as. Un des dés de l'ennemi, donc le dé le plus haut de l'ennemi, devient un as. Si vous lui faites deux stalactites, eh bien, il aura ces deux dés les plus hauts qui vont passer à 1. Et donc, je préfère qu'il me mette un point de dégâts qu'il m'en mette 6, bien entendu. Donc, on choisit ce sort. Et lui, je vais le mettre en 4. Voilà. On va voir ce qui se passe là-dedans. Rouler. Eh bien, rouler, on va le mettre ici. Rouler, c'est quoi? Ben, je prends un dé, je le mets là-dedans. Et il descend de 1. Donc, si je mets un 6, donc si je touche un 6 ou je n'ai pas de sort, enfin, en tout cas, où je vais mettre de toute façon ce sort-là, le dé que je placerai va perdre un point. Ce qui va me permettre de pouvoir mettre soit un missile magique, un coup de missile magique, ou un coup de froid. Alright. 4 niveaux plus dans 4 levels. 2 points, 2 points, 2 points. Ça veut dire que j'en bute 2, et puis je passe à 32 points. Et je récupère tous mes points de vie. Et donc mes deux fois 5 points qui sont ici, je vais essayer de les garder pour quand je battrai le dernier ennemi. On voit que le dernier ennemi, dans tous les cas, ça sera le poulpe. Le bébé poulpe. Le bébé poulpe, il n'est pas difficile. Lui, il n'est pas difficile du tout, et lui non plus. Donc ils sont tous faciles. Ils sont plus faciles même à la limite que de gagner le premier niveau. Donc ce qu'on va faire, c'est démarrer à essayer de prendre le nouveau sort qui est là-bas, en attaquant la grimauve. Alors la grimauve, si vous voyez que c'est du feu. Donc le feu, généralement, il n'aime pas le froid. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, bien que je ne suis même pas sûr que ce soit ça, mais on va quand même mettre le froid ici, en départ. Ok, on va attaquer ce petit monsieur. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous dit? Non, il ne nous dit pas qu'il est en froid. Donc qu'est-ce qu'il peut faire, lui? S'il fait un impair 1, 3, 5, il va me mettre 1, 3, 5 points, mais il va me geler un dé. Par contre, s'il fait 2, 4 ou 6, il va me mettre 2, 4 ou 6 points et me brûler un dé. Moi, je préfère, si je peux, lui mettre ces deux dés en 1. Je n'ai pas du tout envie d'avoir un 6, ça fait trop mal. Geler un dé ne me fait pas de dégâts, il me met un dé à 1, point final. Un dé qui brûle, lui, il me donne 2 points à ce moment-là. Okay? Donc, vous avez toujours la possibilité de fuir. Si jamais, par exemple, vous vous dites, ah zut, je me suis gouré. J'aurais dû mettre autre chose comme truc. Vous pouvez suivre, mais attention, l'ennemi va pouvoir jouer avant vous. Donc, admettons que vous ayez des boucliers, mettez vos boucliers et puis fuyez. Alright. Bon, est-ce que j'ai besoin de lancer ma boule de cristal? Vous voyez, je peux mettre déjà 5 points dans son nez, remettre une stalactite et remettre un 3. Donc, je vais lui brûler ses 2 dés. Ben, je vais lui geler ses 2 dés. Donc, on ne va pas utiliser la boule de cristal de nouveau. Pomme. Je réutilise la stalactite. Voilà. Paf. Ces deux dés sont gelés. Et donc, tout ce que je vais avoir, c'est un point de dégâts. Et il va me geler un dé. Fin du tour. Ah, pardon. Il faut d'abord faire ça. Et on fait fin du tour. Donc, vous voyez, toujours d'abord regarder ce que fait votre adversaire avant de placer vos sorts. Maintenant, j'ai mes deux trucs. Dans tous les cas. Si j'ai deux impairs en tout cas, je vais pouvoir. Je ne prendrai qu'un dé de dégâts. Voilà, c'est tout. On pourrait rajouter une stalactite, mais je vois vraiment pas l'intérêt. Donc on va mettre un 1. On va mettre un 1 ici. Et on va lancer le dé. C'est pas la peine de remettre. J'en ai déjà deux, donc je sais pas, c'est pas la peine d'en mettre plus. Je préfère même avoir autre chose. Voilà, il met un point de dégâts. On laisse faire, on manque la boule de cristal, on ne l'a pas encore utilisé du tout. J'attends plutôt, hein, bah, par exemple, une infliction. Hein. Sauf que cette fois-ci, je n'ai pas d'impair méable. Donc, bon, tout ça, alors, on pourrait prendre un chaudron, mais non. On va mettre ça. On va mettre un 2 qu'on va placer ici. Et on va mettre un 4, en espérant qu'il ne fasse pas.
deux paires. Il fait deux paires. Bon, on va se prendre deux points. Un point de dégâts là et deux points ici. C'est pas très grave, 23 sur 28, on est toujours à l'aise. Mais comme vous voyez, j'ai un dé qui est foutu. Maintenant, on a un 4 qui ne me sert de toute façon à rien, mais il va bientôt mourir, le petit. Hein. On va faire ça. On va faire ça. Et on va lui lancer. Lui, il va prendre 2 points de dégâts aussi. Touk. Ouais. Voilà. Et moi, je ne les prends pas. 1 et 2, on n'a pas de chance. C'est pas grave, 20 sur 28. Et cette fois-ci, il devrait disparaître. Donc, je te mets 3. Je te mets. Ben, si je te mets 3, je suis trop court. De toute façon. Donc, on va en faire comme ça. Pas grave. Et on part aussi, on lui lance le dé. Ah, j'aurais dû le mettre là. J'aurais dû le mettre là. Je l'aurais mis là. Et puis, je lui balance le dé. Et c'était fini. Malheureusement, j'ai joué comme un gros pied. Ne faites pas comme moi. Hein. Bon, j'ai un point de dégâts, ça va, c'est pas mortel. Voilà, je n'ai plus qu'à lancer le dé. Ok. De toute façon, celui-là, il est extrêmement facile. Donc, on ne devrait pas avoir de problème. On va mettre le 6. Je vais le positionner. Alors, je pense que je vais le positionner en 3. Ou en 5. Le 1 et le 2, j'en ai besoin. Le 1, c'est important, parce que si on vous gèle tout vos dés, ben, vous avez le chaudron toujours qui vous permet de faire un autre, de relancer le dé. Et ça, c'est important. Parce que ça arrive de temps en temps, cette saloperie-là. Infliction. Le en 2, je vais mettre un dé spécial qui s'appelle duplication. Qui duplique un dé. Si je lance un dé, un 4, un 5 ou un 6, pouf, il m'en redonne un deuxième, 4, 5 ou 6. En 3, ben, je peux le mettre en 3. Je pourrais le mettre en 5 ou je pourrais le mettre en 6. En 3, généralement, j'aime bien mettre un bouclier magique. On va garder le roulé pour le moment. Je pense qu'on va mettre ceci en 5. Ouais. Ok, est-ce que je prends de la vie? Non, je sais que celui-là, dans tous les cas, je vais être tranquille. Il me suffit d'avoir un impair. Et dans tous les cas, vous allez voir. Vous allez vite voir. Vous allez comprendre. Voilà, ce monsieur n'a qu'un seul dé. Et qu'est-ce qu'il peut faire avec son dé? Il doit le lancer. Si jamais il faisait un 6, eh bien il va récupérer 6 dés. 1. Ces 6 dés 1, il pourrait les mettre ici, ce qui me donnerait 12 points de dégâts. Si je réduis son dé, avec, si je le gèle, il ne peut pas mettre ce dé ici. Le seul endroit où il pourra le mettre, c'est ici. Ce qui veut dire qu'il va me donner 1 point de dégâts, plus 1 point de dégâts, il va me donner 2 points de dégâts par tour. Après ce monsieur, si je récupère ma vie entière. D'accord? Donc, s'il me met 2 points de dégâts par tour, ça veut dire que je peux jouer 9 tours. J'ai 9 tours pour le buter, ce mec. À l'aise, blaise, quoi. On est à l'aise, blaise. Donc, là, haut des miroirs me permettrait de récupérer un dieu supplémentaire. C'est pas vraiment le besoin. On va plutôt jouer le 1 qu'on va positionner ici. On va, ça c'est le chiffre le plus haut que je puisse donner. Je vais lui mettre 5 points de dégâts dans tous les cas. Comme j'ai pas de 3, je vais relancer ceci. Et je n'ai toujours pas besoin de ma roulette russe, là, de mon petit truc supplémentaire. Voilà, un petit sort supplémentaire. Et voilà, regardez bien, hop, le dé devient 1. Et il est obligé de le mettre là-bas. J'ai vu des joueurs ne pas jouer le stalactite dessus et se prendre un 6. Et donc se prendre 12 points. C'est 12 ou 14. Attends, c'est 4 par 4, 8, 12, 14 points. Ils se prennent 14 points parce que le petit monsieur là, il a fait un 6
Vous perdez 14 points, c'est énorme, 14 points. Bien, ben on aura de nouveau un très beau 5 ici. Très beau petit 5 ici. On n'a pas d'infliction, on a quand même une stalactite supplémentaire qu'on pourrait mettre. Mais on peut aussi tout simplement, on va remettre une stalactite. Non, on va rester comme on est là, j'aime bien moi. Ouais, j'aime bien, comme ça c'est bien. Voilà, on peut remettre un as encore, voilà. Je le mets ici. Comme ça, à peu près, dans tous les cas, je suis sûr d'avoir un chiffre impair. Vous voyez, boum, voilà. Et puis on lance le petit dernier. Terminé. 2, 4, 6, 8, 8 fois 4. Au revoir. Ben non, 4 fois 3, 12. 4 fois 3, 12. On lui remet un petit 5. Voilà. Un petit 3 ici. Un petit 5. Un petit as. Un petit as. Et c'est, ben, de toute façon, c'est fini. Voilà, hop. Terminé. Donc, il est extrêmement facile, ce petit hérisson, si vous avez du froid. Si vous n'aviez pas de froid, ben vous aviez... Vous avez dû lancer des missiles ou le foutre le feu, mais 24 points à lui mettre dans le nez, c'était très lent. Alors, on a l'améliorer et la casse réparée. Alors là, il y a deux écoles. Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Mais comme j'ai le 6, là, le 6, je sais pas comment on appelle ça, le truc des miroirs, le hall des miroirs, pour me donner un dé supplémentaire, je crois que je vais prendre l'améliorer. Pourquoi? Parce que oh, les miroirs, si je le mets en amélioration, donc dans cette case-ci améliorée, donc dans le moment où je fais un 5, je vais pouvoir le positionner ici, et à ce moment-là, le haut des miroirs en amélioré me donne 2, 4 ou 6, que je peux mettre dedans, et à ce moment-là, j'ai un dé de plus pour le combat, à chaque fois que je ferai ça. Je pense que c'est une bonne idée de jouer de cette manière-là. On aurait pu le mettre ici aussi. À ce moment-là, je pense que j'aurais mis aussi le hall des miroirs à cet endroit-ci. Donc à ce moment-là, j'aurais eu deux sorts préparés. Et donc ça me donnait plus de chances de réussir quelque chose dès le début. Maintenant, j'ai donc une case pour mettre n'importe quel dé dedans, n'importe quel sort. Si je mets le chaudron, ben, au lieu de me donner une fois un dégât et relancer le dé, je peux l'utiliser deux fois sans relancer le sort. L'infliction, au lieu de donner 3 dégâts, elle me donnera 4. La stalactite, elle permettra, si je la positionne ici, de mettre n'importe quel dé dedans. Je ne serai pas obligé de mettre un impair. Je pourrais mettre un 6, par exemple. Le hall des miroirs, donc je vous ai dit impair, 2, 4, 6, au lieu de seulement le 6. Et rouler, par contre, là, je pourrais le mettre dedans et me descendre un dé qui est à 6. Je peux l'utiliser 3 fois, donc 6, 5, 4, 3. Je pourrais le descendre jusque 3. Vous voyez donc, il y a des tas de possibilités. Mais bon, tout ça est dépendant de ce qu'on a. Bon, bah lui aussi, c'est la même chose. Il n'a que un dé, je crois. Et la seule chose qu'il peut me faire, je n'ai pas besoin de récupérer, vous voyez, les pommes pour le moment. Normalement, je ne perds pas un seul point avec lui, logiquement. Je ne perdrai pas un seul point. Regardez, ah non, il a 2 dés. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Impair ou pair. Donc s'il a un dé pair, mettons un 6, il me met 6 de dégâts. Et il peut jouer un deuxième dé pair s'il en a un deuxième. Donc chaque fois point. Admettons qu'il ait 2-6, il peut mettre 12 points dans le nez. C'est beaucoup. Par contre, si je transforme ces 2 dés à lui en 1, il ne pourra me mettre qu'une seule fois impair. Et donc m'aveugler un dé. Aveugler un dé, ça veut dire je ne sais pas ce que c'est. Mais on s'en fout. On s'en fout totalement de ne pas savoir ce que c'est. Donc mon but ici, ça va être de le buter deux fois. Alors pour le buter deux fois, comment on va faire ça? On ne va pas pouvoir le faire tout de suite. Je ne vais pas de nouveau lancer la boule de cristal. Je ne pense pas. Je vais plutôt mettre un chaudron ici. Même si c'est le 1, je vais le mettre ici. Et j'espère qu'avec la 2D que j'ai là, je vais pouvoir... Encore que je pourrais mettre le 6 aussi à cet endroit-ci. Et juste lui geler un dé. Juste lui geler un dé. À moins qu'il me fasse un double 6, à ce moment-là, il me mettrait 6 et 1. Puisque je vais lui en geler 1. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, parce que j'ai l'infliction, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas l'infliction. On va faire ça.
Là, j'ai un 3, je suis déjà sûr d'être bon là. Par contre, le 3 il ne me sert à rien de nouveau. On va rejouer un dé ici. Poum, on a un 5, qui est plus intéressant. Je peux mettre un 5 et je peux mettre un 5 ici. Vous voyez? C'est-à-dire ce qu'on va faire. Prendre le 5. Je le mets là. Et le tour prochain, je vais pouvoir avoir des dés supplémentaires en mettant des paires dedans. C'est le dernier bonhomme du level. J'ai 2 x 5 points qui traînent, je pense, 2 x 6 points qui traînent que je vais pouvoir récupérer. Donc ce petit bonhomme, il peut me faire des dégâts, je m'en fous totalement. Le problème, c'est que si je joue à la boule de cristal maintenant, il ne me mettra pas assez de points de dégâts pour pouvoir relancer l'entièreté de ma boule de cristal pour les adversaires suivants. Ok, on a un as et on a un 4. Qu'est-ce que vous voulez de mieux, les petits enfants? On va d'abord regarder ce que c'est ceci. Parce que j'ai. Si c'est un impair, ok, pas de problème. C'est un impair. Donc je ne vais pas m'embêter. Je vais d'abord mettre la stalactite de nouveau ici. Pour remettre un impair. Comme ça, là, c'est 2 fois gelé. Donc cette fois-ci, je ne perds plus de points. Tout ce qu'elle peut me faire, c'est me geler un dé. Et donc j'ai un troisième dé qui va pouvoir tourner. Vous voyez? Hop. Plus aucun risque. Plus aucun danger. Par contre, là, je vais pouvoir lui mettre. On va d'abord regarder ce que c'est. Ici. Ok. Je lui gèle un point. Je vais. Bon, maintenant, le môle des miroirs, il n'a plus que 10 points. Il ne sert plus énormément. Par contre, je n'ai pas d'autre impair. Il m'a fallu un 6, ça aurait été pas mal. Ok, on va prendre un dé supplémentaire le coup d'après et on va se faire. J'aurais dû jouer plutôt l'inverse. J'aurais dû mettre le 4 et me mettre une affliction. C'est pas très important. Dans tous les cas, là, j'ai assez. Donc, on va lancer un dé. On lui retire un point. Voilà. À moins qu'il me fasse de nouveau des trop gros chiffres. Bon, voilà, il me met 2 points. C'est pas du tout un problème. On a assez à récupérer par après. Ok. 9 points. 9 puntos. J'ai un 2. On va d'abord commencer avec ça. Non, donc ceci c'est 2, 4 ou 6. 2, 4 ou 6. Donc on va le mettre ici. On va mettre un 2 cette fois-ci, à cet endroit-ci. On va utiliser le 3 et le 1. Il ne peut pas me mettre de points de dégâts, donc on s'en fout. Et le coup prochain, il sera dans tous les cas terminé normalement, puisque j'ai 2, 4, 5 dés, il reste 5 points. Vous voyez? On va lui mettre un petit 6 là, voilà, un petit 3 ici. On aurait pu lancer des dés, c'était fini aussi. Alright. Ils sont bien, moi j'aime bien parce qu'en plus ils sont des bons perdants. C'est tellement rare de voir des bons perdants. Et il nous demande de revenir, même s'il a perdu. Oh, allez, reviens, mon gars, reviens. Reviens, reviens, reviens. Ok, donc comme je disais, 6 PV là, c'est pas 5, c'est 6. Voilà, une pomme me suffit. Et on va aller voir un petit peu au magasin, qu'est-ce qu'ils nous vendent. On a un petit peu de sous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du poison. Alors, je vais vous dire franchement, j'ai jamais joué le poison. Je pense pas que j'ai vu grand monde jouer le poison. Ça doit être possible d'être bon, puisqu'ils le mettent, donc ça, il doit avoir une possibilité. À mon avis, il y a une très bonne possibilité de gagner avec ça, hein, bien sûr. Malheureusement, il y a un gros problème dans ce jeu, c'est que vous pouvez, dans Slay the Spire, vous pouvez cliquer droit et vous savez l'upgrade de la carte. Ici, vous ne connaissez pas l'upgrade. Vous ne connaissez rien du tout. Vous ne savez pas. Bon, ça, je sais que si je l'upgrade, ça va me donner 4 boucliers, toujours pour un impair. Et là, je peux casser un dé en deux, mais on s'en fout que ça soit pair ou pas. Et donc, je peux casser un as en deux et avoir 2 as. Très bien, la clé enchantée aussi, hein, c'est bien. Mais au début, je préfère prendre la sécurité. On va prendre le bouclier. On va passer au niveau 3. Par contre, même si c'est de l'impair, je m'en fous. Je le mets en niveau 3. Mais il va disparaître après. Hein. Je vais pas le garder. Si je peux trouver, il y en a un sort qui ressemble à ça, qui peut me donner 1, 2 ou 3 points de vie, ou 4 s'il est upgradé, mais retirer le même nombre de points de vie à l'adversaire. Un genre de vampire, quoi, si vous voulez. Donc, on va apprendre le sort. On va le mettre au niveau 3. Il sera très bien là. Voilà. Et on va aller voir. On va regarder d'abord si
comment on travaille ici, on ne sait pas encore. On va aller voir à l'étage du bas, contre qui on se bat d'abord. Lui, ah, lui, il va me mettre des points dans tous les cas. J'ai pas trop le choix. Je suis obligé de passer par lui. Donc, cette fois-ci, je vais tenter de mettre un hall des miroirs ici. Dans le cas où mes 3D, il y en a un 6 qui sort, j'ai automatiquement, j'aurai un dé le coup d'après directement. Sinon, autrement, il va falloir l'appeler, puis ben, ça va être un petit peu plus long. On va le tenter. Parfois, ça marche pas, parfois, ça marche. Bon. Ça marche pas. Ok. En plus, j'ai 2 fois 5, en plus, c'est vraiment merdique. On va pas tomber pire. On va employer la boule de cristal cette fois-ci. Et on n'a pas du tout ce qu'on voulait. On n'a rien du tout de bon. On n'a rien du tout de bon. Pas de 4. Bon, on va jouer comme on peut. Pas de 1 non plus pour modifier quelque chose. Donc on va mettre un. On va se protéger. Oui, les coups de l'ennemi d'abord. Dans tous les cas, donc ce monsieur il a 2 dés. Même si je mets les dés à 1, n'importe quel dé ici dedans me fera 2 dégâts et me brûlera un de mes dés. Brûler un de mes dés, ça veut dire que. Mais je crois que vous l'avez déjà vu, hein. Il me coûte 2 points si je vais l'utiliser. Par contre, si je lui balance, c'est lui qui se prend 2 points. Mais donc, s'il se prend 2, 5, il peut me mettre 5 points et rejouer de nouveau 5 points. Donc ici, c'est mieux d'avoir des as. S'il peut avoir 2 fois des as, mais il pourra me mettre 2 points et 2 points. Voilà. Plus brûler 2 dés. Mais bon. Mais bon. C'est pas. Donc ici le bouclier, il est assez pratique. Le bouclier magique est assez pratique. Donc on a du hall des miroirs, on a du 2 infliction. On va se mettre une infliction. Voilà. On va se positionner un deuxième bouclier magique. Bah ouais. On va se protéger pour le moment. Voilà. Je le mets ici. Une fois 4, une fois 3 et 2 points dans ton 3 points dégâts. Voilà. 4 boucliers. Plus 3 boucliers. Donc je me protège de 7 points. Ce qui devrait peut-être être suffisant. Ils sont arrivés 5 quand même, hein, tu vois. Et 4. Voilà. Pas de chance. Il m'a mis 9 points dans le nez. Bon, 2 points perdus, ça va. Voilà, mon petit 6 est arrivé. On aura 4 dès le coup prochain. Malheureusement, pour le moment, je n'ai rien d'autre. On va remettre un 5 et un 2 ici. Voilà. C'est bon qu'il ne fasse plus de 5. Hein. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Il met 4 points de dégâts. Pas perdu de points, sauf que j'ai deux brûlures qui m'attendent, mais ça c'est pas. C'est moins important. D'ailleurs, on va lui remballer. Hein. Je vois pas très bien. Bon, je vais en prendre un. Donc on se met un 5 ici. Un 4 ici. Je me le mets ici, je perds 2 points, mais j'ai deux trucs. Mais j'en récupère un, donc voilà. Et on lui balance son petit missile. Et on est toujours à 32. 1 et 3. Bien. Oui, donc on perd pas de points. Tout se passe toujours très bien. 1 et 1. Et 1, 4. Voilà. Je n'ai pas besoin de lancer de stalactite. Hein. Je n'ai pas vraiment d'intérêt de mettre une stalactite ici. Là, qui sort des 6, on s'en fout. Du moins que ce n'est pas des 5. Ah, quoi. Le problème, c'est des 5. Mais il est fini là. Il se termine là. Il se termine. Ah, un petit 3. Re-3. Un 4. Et on lance le dé. Le coup prochain, il est mort. Et il me met que 2 points. Voilà, ça va. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonne défense contre lui, donc les boucliers magiques. 2. 2 boucliers magiques, vous êtes tranquille. Un 5. 2, 4, 5. Donc je fais ça, pardon. Je vais même mettre un truc comme ça, voilà. Parfait. Allez, blaise. Allez, blaise. Est-ce que j'ai regardé là? Non, pas encore. Non, alors celui-là, alors je l'ai testé, il est pas mal. Il est pas mal, j'aime bien utiliser, c'est pas maudire, c'est abîmer en tout cas l'équipement. Mais ça marche pas à chaque fois parce qu'il y a des jeux. Vous avez des joueurs,
dont la carte n'est pas modifiée, dont le sort n'est pas modifié, même si vous abîmez son équipement. Et donc, ça perd un petit peu de sa force. J'aimais bien le mettre en 1, tu vois. Donc, comme ça, dans tous les cas, même si on devait le tout m'aider, bah, je pouvais lui, en tout cas, faire des chocs à toutes ses cartes, au mec. Mais bon, c'est pas le meilleur, quoi. C'est pas le meilleur. On pourrait le mettre à la place d'un Fixion, par exemple. Pour le moment, je vais l'ignorer. On va aller voir l'autre trésor. Alors là, j'ai un dé pair. Alors le dé pair, bon, comme je travaille plus avec la stalactite, le dé pair m'intéresse pas trop. Donc vous tapez n'importe quel dé là-dedans et ça vous redonne un 2, un 86. Pourrait le mettre à la place du chaudron, mais comme moi j'ai besoin d'un pair ici et d'un pair ici, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc voilà, deux sorts malheureusement, je ne peux pas utiliser. Le maître des clés, par contre, lui, qu'est-ce qu'il faut faire contre lui? Il n'a qu'une seule. C'est la même chose. Il n'a qu'un seul dé. Donc lui, là, je ne vais pas mettre ça. Il a besoin de la stalactite dans tous les cas. Dans tous les cas. Et dans tous les cas, je vais perdre un point à chaque tour. C'est tout. Pas plus. Donc, on va. Et j'ai un nouveau niveau qui arrive après lui. Et donc, on va garder nos deux pommes pour l'ensorceleuse. Enfin, pour après l'ensorceleuse. Bien, monsieur Passepartout. Il n'a qu'un seul dé, mais il a des cartes un peu particulières. Il a des cartes qui lui permettent, suivant la carte qui va, le dé qu'il va jouer, il va déverrouiller le sort et il va récupérer son dé. Et il va pouvoir rejouer le dé autre part. Oui. Donc moi, si je le bloque au 1, ben il va jouer le 1, il va récupérer un 1, il va pouvoir le mettre dedans parce que ça va me faire un point de dégâts, et puis il va à nouveau récupérer un 1, et puis il ne saura pas le mettre là, ni là, ni là, ni là, ni là. Comme ça, je suis pépère. Voyez? Donc on a un 5, c'est bien. On a un 4, on a un 2, on a un 4, on s'en fout du 4, parce que je n'ai pas besoin de le rejouer une deuxième fois. On va plutôt se mettre un petit 5. Ou que le cul est con, mais qui est con, mais qui est con? Mais qui est con? Bon, pourquoi je dis que je suis con? Parce que j'ai mis mon 5 et je devais le mettre là, puisque j'ai que deux paires là. Je vais rien pouvoir mettre. Non, je peux me sauver. Je peux me sauver. J'ai dit quoi là? J'ai mis quoi? J'ai mis un 5. Je vais être comme un con, je vais le mettre là, c'est pas grave. Je voulais le mettre ici pour récupérer un 6, tu vois. Mais non, on va rejouer une stalactite. On va la mettre là. Comme ça, je peux mettre n'importe quel dé. Voilà. On est sauvé. Mais bon, j'ai quand même fait le con. Hein. Ça, c'est sûr. J'ai quand même fait le con. Regardez, voilà, il met son 1. Voilà. Il peut me mettre 3 dés, c'est 3 points de dégâts. Et puis, il peut plus jouer. Fini. Ok. Alors, bah, j'ai des 6, ça tombe bien, j'ai un petit as, donc on va. Un 3, pardon. Donc on va mettre notre 3. On va se prendre un bouclier, puisqu'il me met 3 points à chaque fois. Ouais. Je me prends un bouclier. Bon, je ne peux pas l'utiliser tout de suite, mais. Ah, bien que. Je peux mettre rouler. Mais alors, je n'aurai pas le dé. Mais est-ce que c'est important? Je préfère quand même avoir un dé. Donc, rouler, il est superbe. Hein. Rouler me permet d'avoir un impair dans tous les cas. Donc là, je n'ai pas besoin d'impair pour celui-ci. Je peux mettre un 6 dedans. Mais je me prendrai 3 points de dégâts. Mais je récupère ma vie complète, de toute façon. Je serai à 24. Ouais, je ne vais pas m'embêter. On va faire ceci. Et ceci. Voilà. Parfait. Et comme ça, je ne perdrai plus de points. Enfin, s'il veut bien me. Voilà, s'il veut bien me donner ça, voilà, je perds plus de points. C'est fini. Je peux mettre n'importe quoi. Ah, j'aurais dû mettre un 4 comme un gros bien. Ça ne sert à rien. On va remettre un 2 là. Tiens, hop. Voilà. Et je te mets 3 points de dégâts. Parfait.
Donc oui, juste pour le moment, on survole le jeu, on n'a aucun problème. Aucun problème. Je peux te mettre un 5, je te mets un as, je te mets un 6, je te remets un 3 points de dégâts. Voilà. Et il reste 7 points. Et voilà, c'est fini. Il y a I win, voilà. Alors voilà, duplication. Ce qui est dommage, qu'on ne peut pas avoir les deux, quoi. J'aurais bien voulu avoir les deux, mais c'est impossible. Donc vous devez en choisir un. Je prends la duplication. Je vais la mettre à la place de l'infliction. Parfait. Je vais dans mon grimoire. Je positionne mon dupliqué ici, tout de suite. Pourquoi? Parce que si j'ai un 4, un 5 ou un 6, j'ai automatiquement un dé supplémentaire. Donc je vais jouer avec 4 dés, normalement. Bien entendu, si j'ai 3, 2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va quand même pas être si chiant que ça, parce que je vais pouvoir mettre 2 là, enfin, un dupliqué dé ici, dupliqué dé ici, et dupliqué dé ici. Mes 3D vont se servir. Bon, je vais même en mettre un dès le début ici, pardon. Je mets un duplicate ici. Je vais pouvoir dupliquer un 2 et remettre des duplicates partout. Ça veut dire que le coup d'après, bah, je vais avoir plein de dés, quoi. Voilà. Bon, enfin, soit vous avez compris. J'ai été regarder ici, je ne sais plus. Je pense pas. Non, on n'a pas encore regardé. Ouh! Oh. Alors les petits gars là. Là, les petits gars, c'est fini. Le jeu est terminé. Je ne peux plus perdre. Je ne peux plus perdre. L'illumination. Ah là là là. Oui, je t'achète. Merci. 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 L'illumination obtient deux fois le dé que je mets dedans au tour suivant. Donc au premier tour, vous le mettez, et le tour suivant, vous le remettez une deuxième fois. Et vous le remettez d'ailleurs dans le truc upgradé. Parce que dans le truc upgradé, on va le mettre ici. Dans le truc upgradé, donc là, je ne mets pas ça, je mets ceci. Dans le truc upgradé, l'illumination, si je mets un double, j'en obtiens 4 tours d'après. Ben, ça vous permet de non-stop. Là, vous le faites en boucle et vous gagnez chaque fois. Donc là, ici, je vais mettre un dé pour en gagner deux tours suivants. Le tour d'après, je vais avoir mon double. Donc je vais pouvoir remettre illumination. Enfin, si j'ai un 6, bien entendu. Hein. Tant que j'ai pas de 6, je ne peux pas le mettre là. Hein. Ça, c'est automatique. Mais dans tous les cas, j'aurai deux fois un dé. Et puis je passe ici, en mettant deux plus un là, trois. Je vais récupérer 6 dés le tour d'après. Et vous continuez comme ça. À un moment, j'en avais plein l'écran, les dés. J'en avais plein l'écran. Donc, ok, c'est parti, on joue ça. Vous allez voir que c'est génial. Et je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre, là, au fait. Il y avait une pomme. Ça, c'est pas mal aussi. Mais il vous faut. Le truc ici, il y a deux bidules, hein, vous voyez. Ça veut dire que si je le mets, par exemple, à l'emplacement 2, mais il va me falloir mettre. Appliquer 2 dés pour pouvoir le sortir, pour pouvoir mémoriser le sort. À moins que je le mette, bien entendu, dans un sort préparé, comme celui-là par exemple. Il serait là tout de suite, mais il me faudrait un, ça veut dire qu'il va me falloir un 6 pour pouvoir lancer autre chose deux fois. C'est pas une attaque que ça lance, c'est n'importe quoi. Donc si par exemple je vais mettre un chaudron, je peux le doubler. Il est très bien, hein, je ne dis pas le contraire. Surtout que je crois que d'en améliorer du moment que vous mettez un even, un double, un 2, un 4 ou un pair par exemple. Hein. Donc 2, 4 ou 6, ça double automatiquement le truc suivant. Mais bon, l'illumination, vous allez voir que c'est plus que suffisant. Maintenant, il me manque un dé pour remplacer le bouclier magique. Un seul dé. C'est un dé qui va chercher. Les points qui prend 3 points à l'autre et qui vous donne 3 points. Voilà, le dé vampire. Bien, en plus j'ai les 6. Bon, c'est même mieux que le truc des miroirs, hein, je vous dis tout de suite.
Regardez bien. Hop, je mets un 6. Le tour prochain, j'en aurai 2. Je vais remettre une élimination directe. Je ne vais pas m'embêter. Je la mets là. Voilà. Le tour prochain, donc, je vais récupérer 2, 6. Je les mets là. Ah non, on va mettre la stalactite ici. Au fait, je n'ai pas regardé, mais elle aide un petit peu. Elle est vraiment chiante. Elle est un peu chiante. Faites un peu ce que vous voulez. Elle a un chaudron. Bon, elle peut quand même récupérer un 6. C'est quand même. Et bon, et dans tous les cas, bon, oui, c'est les mêmes dés qu'on a. Hein. Elle a 3 de dégâts avec n'importe quel dé là. Par contre, si elle fait un 5, bon, ben, là, elle fait un 5, ben, elle me met 5 points de dégâts, elle me gêne un dé. Mais bon, je vous dis, avec mon illumination, là, pas de problème. On va quand même essayer de ne pas perdre trop de points. On va essayer de ne pas perdre trop de points parce que je n'ai que 2 pommes. Donc je crois que c'est 2 x 6 ou 2 x 7 que je pourrais récupérer avant de descendre à l'étage du bas. Mais enfin bon, je dis, on est bien, bien, bien parti. L'illumination. Vous allez voir que c'est un plaisir. Ok, un 6 ne me gêne pas. Un deuxième 6, c'est parfait puisque c'est des impairs. Ok, oui, 2 6 qui sont arrivés. En plus, on a la boule de cristal. On va l'utiliser, hein, la boule de cristal, quand même, parce que je n'ai pas de bidule pour me soigner, donc voilà. On a même du chaudron, on a tout ce qu'il nous faut, on a même un 5. On a vraiment tout ce qu'il faut, et on a un 2 en plus, on a un 2. On va commencer à mettre d'abord, on va d'abord dupliquer. Attends, comment je vais faire? Hop, tu peux réfléchir, c'est ça qui est bien avec la sorcière, c'est qu'on peut réfléchir. J'ai un 5 pour lui geler un dé. Alors, il me faut des 5 pour avoir un 6. Je peux mettre un 5, ici. Placer 2 et 6 ici dedans pour en avoir 4 tours d'après. Mais on peut d'abord doubler. Donc on va d'abord doubler. Je double un 6. Bon, j'en ai 3. Vous allez voir tout de suite comment on fait pour avoir beaucoup de points. Donc, est-ce que j'ai un 3? Je n'ai pas de 3, donc je ne peux pas mettre de bouclier dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va. C'est un petit, je m'en fous. Là, je m'en fous. On va prendre un coup de chaud. On va d'abord mettre 2, 6 ici. 1, 2, 6. Tac. Maintenant que c'est fait, je vais prendre un chaudron. Repositionner ici. Les 4, je vois pas le besoin de mettre des 4 pour le moment. À la limite, je pourrais mettre un 4, un deuxième 4 pour lui refroidir 2 dés. C'est quoi ces dés? Ça risque de me faire plus de problèmes qu'autre chose. De lui mettre 2 as, elle va, dans tous les cas, j'aurai 2 impairs. Et donc, elle va me geler 2 dés. Bon, même si elle me met un 5, c'est pas... Bon, si elle avait 2, 5, je serais peut-être plus embêté, quoi, mais... Si elle fait des paires, je l'empêche de jouer des paires, quoi. C'est aussi autre chose. Donc, c'est un petit peu juste, quoi, son truc. On pourrait quand même. Bon, on a le prochain tour, on a 2 6. On va pouvoir mettre aussi un truc ici. On va ajouter un 5 pour en avoir 2, puisque je vais avoir 2 6. On va remettre un 5 là-dedans. Pour avoir plus de tour prochain. C'est ce que je crois que je vais faire. Je veux 2 5 le coup prochain. Donc j'aurai 2, 6, 2, 5. Comme ça, je peux mettre un max de dés. Et puis après, on est tranquille. On n'a plus besoin de remettre de dés. De niveau 6, pardon. Alors, on va essayer de se prendre un 5 de nouveau ici, si c'est possible. Non, je ne peux pas. On va réessayer. Un 6. On va relancer un petit chaudron de nouveau ici. Je vais mettre un
4. Ah, ça c'est bien. J'ai un 3. Ça veut dire que je peux le calmer un petit peu. On va mettre le 6. Et on a un impair, c'est parfait. Et j'ai encore un as. Donc, on va déjà mettre le 3. Non. Le 3, on va mettre un... Je préfère avoir un bouclier que la stalactite. Bah. On va rejouer un as. Et on va le mettre de nouveau ici. Je vais mettre le 6 dedans. J'ai un 2. Je remets le 6 dedans. Et j'ai de nouveau un 6. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Donc, mettre le 3 ne m'intéresse plus puisque je ne peux pas le buter. Donc, on va quand même faire ceci. Et puis, on va relancer une illumination. Ici. Voilà. Boum. Allez, qu'est-ce que tu me fais ? Deux as. Ce qui était logique, bien sûr. Et tu récupères un 6, c'est génial. Donc, j'ai un point gelé et trois points là, ça va. On a déjà 9 points. Et le nombre de points me dit que j'ai déjà un. Donc, comme je disais, j'ai du haut des miroirs. J'en ai un, deux. Je peux mettre deux fois. Et j'ai 4, 6. On va. On va. Bon, pour le moment, les 6, ils ne me servent à rien. À part me faire du haut des miroirs. Que nous allons faire tout de suite. Donc, on va dupliquer. Donc, si je fais un haut des miroirs, 1. 1, 6. 1, 1, 6. On va refaire un troisième. On va dupliquer un 5 pour pouvoir le mettre dans la stalactite. On commence avec un 5. Roule des miroirs. Je lui positionne un 6 dedans. Je remets un 5. Est-ce que j'ai un 2? Non, j'ai pas de 2. Je remets un 5. Je positionne ici. Je lui remets un 6. Viens ici. Hop. Merci. Alors, j'ai pas de 3. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je voudrais. Ben si, j'aurais plus trop besoin après. On peut se prendre mettre des. Les 4 ne me servent pas à grand chose. J'aurais voulu pouvoir doubler tout de suite mon truc là. On va se remettre 2, 6. Ou alors. On va faire ça. On va prendre. Alors, pas du tout, on va pas utiliser ce truc-là maintenant. On va prendre le chaudron. Je vais mettre ici, ce qui me permet d'utiliser deux fois. Je vais utiliser un 6. 4. J'ai de nouveau un 6. On va prendre un 4. Donc on va mettre un 5 ici. On va mettre un 4. Pas trop bien joué non plus ici. Hein. Et on va mettre un 6 de points de dégâts et on lui rebalance un 6. Dommage, j'ai pas eu de 3. Mais bon. On va voir ce qu'elle va faire avec ça. Elle me met 3 points. Et 3 points. Donc 16 points. Alors, bah, elle est finie. Hein. Elle est terminée. Je peux lui mettre un 6 et un 5. Voilà. Vous voyez que la duplication, hein, quand même, enfin, cette illumination-là, elle est très forte. Elle est très très forte. Bon, 22-36, on va récupérer 7 points et 7 points.
On est presque au bout. J'ai regardé tous mes coffres, je crois que oui. Non, je crois que c'est non. Si là, il n'y avait rien d'intéressant et il n'y avait plus rien, je crois, d'intéressant non plus. Ah, je pouvais prendre une pomme. J'ai 5 points. J'ai 5 points. J'ai tout ce qu'il me faut sauf mon drain. Il s'appelle drain. Je crois que c'est le drain magique ou quelque chose comme ça. Que je vais devoir remplacer là. Et puis il me manquera également, là, au lieu de la stalactite, je veux la double stalactite. Donc le blizzard. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je reprends les deux? Est-ce que je gaspille 5 d'argent? Non, pour deux trucs, ça vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Alors, ça, c'est celui-là, c'est une saloperie. À moins que vous ayez plein de cartes. Ils sont tous un peu des salopes. C'est vraiment un peu tous des pas sympas, tout ça. Surtout lui, il n'est pas sympa du tout. Lui, il vous met tous vos dés. Si vous mettez, lui donnez 2-1, il vous met tous vos dés, il vous les met à 1. Voilà, ils deviennent tous des 1. C'est pour ça que le chaudron n'est pas plus mal de le garder. Jusqu'à ce moment-là. On va commencer par aller chercher un coffre. Donc, l'oiseau sono, là, sono-oiseau, je ne sais plus ce qu'il fait. Mais je crois qu'il a, oui, il a 4 dés. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il me réduit au silence. Ça ne me dérange absolument pas. Il fait un chiffre pair. Donc, s'il fait un double, hein, deux as par exemple, il me réduit au silence, ce qui ne me dérange pas. Un chiffre pair, il esquive l'attaque suivante. Pas important non plus. Par contre, s'il fait un impair, il va m'affaiblir 2 équipements et me mettre 1, 3 ou 5 de dégâts. Bon, si j'ai beaucoup de dés, pas de problème. Si j'ai beaucoup de dés. Et donc, on va quand même de nouveau essayer, bien que s'il fait un chiffre pair, il serait un peu pas. Mais bon, il a 4 dés, donc je ne pourrais pas faire grand-chose, quoi. Il a 4 dés, bon ben vous serrez les fesses, comme on dit. Hein. Donc on va. Alors faites attention, ça m'arrivait juste avant. Ne faites pas, appuyez pas sur la boule de cristal quand vous êtes sur l'écran de l'adversaire. Parce que vos dés vont être affichés ici et vous ne pourrez pas les utiliser. Si, le seul moyen de les utiliser, vos 3 dés, ça sera de les lancer d'ici. C'est affreux. Ah oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été fâché quand j'ai vu ça. Bon, au des miroirs. On va commencer avec lui tout de suite. D'ailleurs, on va commencer avec la boule de cristal. Je ne vois pas l'intérêt de ne pas le faire. Parce que dans tous les cas, je vais sans doute me prendre des dégâts. Pas beaucoup, mais je vais m'en prendre. On va lancer les dés supplémentaires et on regarde un petit peu ce que nous avons. On peut jouer l'illumination. On peut jouer la stalactite. On peut jouer du bouclier. On peut tout faire. C'est génial. On n'a pas de 2 ni de 1. Tant pis. De toute façon, on va vite les avoir, à mon avis. Comment on peut le jouer? Comment on peut le jouer? J'ai 2 fois 5. Je dois garder le 6 pour le mettre ici. Mais je ne vais pas le mettre tout de suite. Parce que sinon, je suis bloqué. Donc, je pourrais mettre quoi? 2, 5 dans ce 6. Ou 2, 3. De 5 ou 2, 3. Bon, je dirais que j'utiliserai un 5 que je mettrai ici. On peut faire autrement. Si je mets mon 6 ici dans le tour prochain, j'en ai 2. Donc je mets un 5 ici. Et à ce moment-là, j'aurai un 6 et un 6, donc un dé supplémentaire, et je pourrais faire un doublon là. Ce qui me laissera le 3, le 3, le 4 et le 5. Sont difficiles à.
je réfléchis, hein. Donc si je mets le 6 là-dedans, je mets le 5 là. Il me reste un 4 que je mets ici, un stalactite, je mets un 5, il me reste un 3, bouclier magique, et un 3 pour le lancer. Ok, bouclier magique, 3, stalactite, 4, 5. Je me suis bourré. Je me suis bourré. Le 3 devait pas aller là. Enfin, ou le 4 devait pas aller là. Parce que je voulais mettre le 6. Non, je vais mettre le 6 ici. Le 6 ici. Voilà. Donc là, on aurait 2 6. Et mais je mets un 5 ici. Voilà. Donc 2, 4 ou 6, pouf, je peux avoir le dé. Ok, c'est bon. Et on a ajouté un dé, donc le 6 il disparaît. S'il change rien du tout. Voilà, j'ai deux trucs d'affaibli. Alors quand il est affaibli, ben, là il me demande, je dois mettre un 5 pour avoir mes 3 boucliers. Et là je peux mettre maximum 3. C'est pas très grave. Donc on va jouer un 4. On aura un dé supplémentaire. On va lui demander un. Ah, max 3, donc j'ai le droit de mettre un impair, je suppose. Je peux mettre ce que je veux là-dedans. Là, il me faut un 5, ça j'ai pas. Donc, si je mets un 2, il devrait me le prendre. Il me le prend. Ah. On va mettre un 6 ici. Et on redemande 2, 6 pour le coup prochain. Parfait. Là, tu mets un peu plus de dégâts. Vous voyez, les dés, ça va vite, hein? Alors, on va laisser passer la police. Je vous reprends juste après. Ça me permet de boire mon petit verre. La police, les pompiers, le SAMU, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais jamais ce que c'est. Alright, on a plein de 6. On a du 5, on a du 5. Est-ce que j'ai besoin de plus de dés? Ouais, pourquoi pas. Bon, j'ai 2, 3. On va prendre un. On va se prendre du bouclier. Alors, j'ai pas de haut le miroir si je fais ça. Donc, on va prendre un. Non. 3 et 3. Est-ce que j'ai. Ouais, je suis pas des tonnes de trucs différents. Hein. Alors là, je vais jouer mes 6. Je vais avoir plein de 6. J'aurai 6-6 le coup prochain. C'est embêtant. C'est embêtant. J'ai pas le choix. J'ai pas trop le choix. Je te mets 3 ici. Voilà. Je te mets des 6. 1, 2. Je vais plutôt prendre le 3. Je vais le mettre là. Comme ça, j'aurai au moins deux. Je suis sûr d'avoir deux impairs. Si je vais quand même en avoir là, voilà, j'en tiens beaucoup là. On lance, on lance, on lance. Voilà. Fait le max de points qu'il peut, hein. Il fait le maximum de points qu'il peut. Alors, mon immu. Qu'est-ce qu'il me fait là? Alors là, je ne sais pas lire. C'est difficile, c'est un petit peu mal foutu. Ils auraient dû faire des dés plus petits. On va voir s'il n'y a pas un mode pour rendre des dés plus petits. Des plus petits dés.
Ce serait pas une mauvaise idée. Tu vois, je l'ai à peine saisi, il me dit, voilà. Là, j'aurai deux, max 3 au prochain tour, deux, même chose là. Donc, on a quoi? On a du 5, on a du 4, est-ce que j'ai du 2? J'ai pas de 2. Des 3, c'était logique, j'en avais demandé. Il me redemande du 5. On va utiliser un 5 ici. On va. Je me suis gouré, bien sûr. C'est pas grave. Je vais te remettre un 3 ici. Ce qui me permet de réutiliser un 3. Voilà. Là, j'ai 3. Un truc. Je ne sais plus où j'en suis. Je crois que lui, c'est le dernier. Enfin, c'est. Je vais. À mon avis, je récupère ma vie après. Mais je suis pas sûr. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Donc, on a des stalactites encore. Donc, ce qu'on peut faire ce tour-ci, c'est te mettre un 4 ici, avec un 6. Un 4 avec un 6. Un 6 ici, j'en aurai deux. Et de nouveau, un 4 avec un ici, avec un 6. Voilà. Alors, tous tes dés sont gelés. Ça devrait pas être trop mal, je pense. Ah, il me fait un double. Bon, silence, c'est pas grave. Et il faut pas que j'oublie, il a une esquive. Alors, il te reste 18 points, mon ami. Tu veux de nouveau un 5 là-bas? Là, je vais mettre un 3. Malheureusement, je n'ai pas tout ce que je veux. Donc, je vais mettre un 5 là. Et donc, je peux mettre un 2 quand même ici. On va mettre un 2. On va mettre le 5. On va se mettre un. Un 6. Et on va. Je veux quoi? Je veux 2, 6. Je veux 2, 4. On va prendre 2, 4 pour le terminer, pour être certain. Voilà. Là, je peux rien faire. Mettre les dés là, ça sert à rien. Il me manque encore un 5. Mais bon, j'ai 5 de. 5 de bidule. Donc là, c'est fini. Hein. J'ai un 3. Ce qu'on va faire. 4, 6, 4, 6, on va ouvrir le bidule là. Donc 4, 6, 4, 6, donc je te mets un 3. Je te mets un 4. Je vais quand même me faire avoir, je crois. Là, il reste 9. Non. Ben, j'ai mal calculé de nouveau. Ouais, j'ai mal calculé. J'ai mal calculé. Je vais me prendre encore quelques points là. C'est dommage. On y était. J'ai mal calculé. Bon, tu me. Ça va. Un point. Là. Ça va. Ça va. Ça va. Bon, vous avez quand même vu que l'illumination, c'est très 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 fort. Hein. Je peux pas le lancer. Ben voilà, insister. Hop, on voit. Ah non, encore une fois. Ah, j'avais oublié ça, tiens. Tiens, voilà 3 points. À mon avis, c'est pour ça que je me suis fait avoir le coup d'avant. J'ai mis un 6, j'aurais pas dû mettre si haut. Pour l'esquive. J'aurais été bon. Ok, grimoire. M'intéresse pas. Je sais pas si je l'ai expliqué. Ah non, je pense pas. Le contre-sort, il est bien. Admettons, je gèle son dé. Le problème, bon, allez, si je peux mettre un dé là-dedans et je dis, voilà, si l'ennemi joue ce numéro-là, son dé, il ne peut pas le jouer. Alors, je me suis dit, ok, sympa, je fais du stalactite, hein, je gèle ses dés, et puis je mets un là-dedans, et je dis comme ça, toi, tu ne peux pas jouer le 1. Malheureusement, ça ne marche qu'avec les dés de départ de l'ennemi. Si vous faites une stalactite, elle passe pas.
elle n'est pas bloquée. Et donc, vous perdez vraiment tout l'intérêt de ce truc. C'est possible, hein. Bon, maintenant que j'ai l'illumination, on pourrait rappeler plusieurs fois ce truc-là. Bon, par exemple, je le mets dans 1. Je fais une illumination sur 1, j'ai plein de 1. Et puis, je tape plein de dés là-dedans, quoi. Mais ça ne me convainc pas. Comme c'est là, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas.